Eh bien bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de composition farming, puisque pendant le tournage de cette vidéo j'étais toujours en argent 3, depuis je suis un petit peu remonté pas loin de champion, en faisant que de la def, ça j'en reparlerai un petit peu après, peut-être dans cette vidéo si on a le temps. Je viens tout de suite à la composition que je vous présente aujourd'hui, c'est une composition à base de géants, sapeurs, gobelins et archers. Voilà, une autre composition farm. Alors la compo exacte n'est pas forcément celle qu'emploient d'autres gros farmers qui sont à base de ces troupes là. Je pense par exemple à Yes Papa qui était un fervent du géant gobelin archer. Voilà, Yes Papa qui n'aime pas les barbares. Et Yes Papa quand même qui est une référence, si ce n'est la référence du farm français qui, voilà, qui avait tout débloqué, les 2 milliards, les ronds 40, les murs tout bleus, etc. à une vitesse assez folle. Alors, on va voir que, je vous dis franchement, on va regarder les gameplays, comme vous pouvez le voir là, il y a des petites choses qui sont pas nickel chrome. Alors c'est vrai qu'après, avec un petit sort de soin ou de rage, avec les petits héros qui sont frais, des héros 40 en plus, on rattrape un peu les dégâts. Cette composition elle est un peu plus délicate parce qu'il faut savoir envoyer les gobelins pas trop tôt, faut bien déblayer le terrain, il faut bien le jouer. Et moi on voit que des fois, bah, j'envoie les gobelins trop tôt, donc ils se prennent un peu trop de coups dans la tronche et finalement ils font pas le travail qu'ils doivent faire. Donc en général dans cette compo, alors déjà moi la composition exacte que j'utilise c'est mettre 20 géants, 8 casse-briques, 27 si je me cette fois non c'était 7 14 28 pardon gobelins et le reste en archer. Voilà, donc sur une composition à 240 de capacité de camp pour HDV 10, si vous avez un HDV 8, un HDV 9, vous pouvez envoyer, proportionnellement un petit peu de géants, passer à 16 géants, ça va encore, je pense qu'il faut rester entre 15 et 20 géants. Après les sapeurs, on peut, non, 8, ça me paraît quand même bien, malgré les différents cas de figure, on peut éventuellement passer à 6. En dessous ça fait un peu laid, je trouve que c'est quand même important de pouvoir faire des ouvertures, surtout dans les villages comme on le voit là, qui nécessitent pas mal d'ouvertures vis-à-vis des ressources qui sont quand même très très segmentées, très séparées, etc. Et pour les archers, bah, du coup bah, il y en aura un peu moins, les gobelins je pense qu'une bonne, ouais, une bonne vingtaine minimum c'est bien pour l'équilibre de cette composition. Voilà. Après au niveau des sorts, comme je vous l'ai déjà dit, et je vous le redis, pour ceux qui n'ont pas suivi les autres vidéos, mais le sort de soin est quand même une... Un sort à 30 minutes de formation, donc c'est très intéressant d'utiliser le sort de soin du fait qu'il est rapide à former et donc du coup comme on est en farm et qu'on veut du gros rendement, c'est à dire que le rendement à l'heure est important, donc il faut avoir très peu d'utilisation de sort et quand on utilise il faut que ça puisse se reformer très vite, donc plus intéressant que l'orage. Maintenant encore une fois comme je l'ai déjà dit également, si vous avez plusieurs heures devant vous avant de réattaquer ou que c'est la nuit que vous allez vous coucher pour le lendemain matin, c'est bien de préparer un full sort de rage qui à ce moment là plus intéressant que le sort de soin, enfin pour ma part c'est ce que je pense, après peut-être il y a les avis divergents, moi je vous donne ce que je pense être bien pour vous. Voilà, après les différents villages, les moyens de les aborder, etc. Bien sûr on a une préférence avec les villages où on a soit tout dans les mines, soit tout dans les réserves, après ça il faut faire des choix. Ensuite il faut regarder aussi les positionnements des tours de sorciers, si elles sont pas trop enquiquinantes, surtout s'il y a des positionnements tours de sorciers Tesla qui sont couplés ensemble, ça peut être casse-pied à gérer. Bien sûr, repérer aussi les villages abandonnés qui auraient des Arkix vides. Alors c'est très simple à reconnaître, hein. Vous regardez s'il y a les cordes ou pas sur l'Arkix. Les TDE, c'est facile à reconnaître aussi si elles sont cramées, elles sont toutes noires cramoisies, donc ça, il n'y a pas de souci. Mis à part ça, le reste, bah, ça fonctionne. Hein. Donc les tours de sorcier, malheureusement, elles fonctionnent tout le temps. Ce serait bien si vous pouvez les décharger de temps en temps, histoire de piller un peu plus. Les villages en question. Là, par exemple, dans un village où il y a à la fois dans les réserves et à la fois dans les extracteurs, donc là il faut tout prendre, ou alors faites votre calcul, là c'est vrai que j'ai pris beaucoup, mais c'est vrai que c'est intéressant aussi de prendre par exemple ne serait-ce que 200k de chaque, si vous pouvez le prendre que dans les réserves, c'est bien aussi, donc faites un choix. J'ai vu j'ai formé quelqu'un sur du farming, hein, récemment, et puis j'avais dit qu'il avait fait le mauvais choix, parce qu'il avait eu 600k en fait d'un côté, et il a voulu, je sais pas, il a pas bien cerné en fait ce qu'il fallait prendre, et en fait il suffisait déjà de prendre que les extracteurs en mode barche, ou en mode voularcher, là, avec cette compo là par exemple, ou archi-gobelin, seulement suffisait pour voilà, récupérer que les extracteurs et éventuellement mettre un géant de temps en temps juste en tank et donc pas un géant pour aller nettoyer. Voilà, des fois le géant, cette double utilisation possible, c'est-à-dire
de l'utiliser soit en tank pour faire diversion, soit effectivement pour aller nettoyer des défenses, des tours de sorciers, des Tesla qui embêtent les archers, les gobelins pour aller derrière, récupérer les ressources. Donc les gobelins, ils ont l'avantage dans cette composition de vite cleaner en fait les réserves. Donc quand elles sont ouvertes, ça permet d'aller vite cleaner le truc, ce qui fait quoi ? Que vos troupes derrière, elles sont encore plus en vie, elles vont prendre moins de coups rapidement, donc ça permet d'avancer en progression. On a même vu l'utilisation des fois de gobelins même dans des compositions d'attaque type rush ou type guerre de clan, rien que pour accélérer les timings qu'on a un peu juste pour tenter un perfect. On a vu déjà des gens utiliser un gobelin ou deux en finition pour aller vite terminer des extracteurs sur les côtés qui étaient plus sous protection de défense. Donc en gros, moi j'utilise un peu comme les autres compos que je vous ai montré à base de géants, c'est-à-dire que je suis plutôt géant en ligne. Le géant qui ne sera pas trop en ligne sera plutôt le géant avec compo guérisseuse derrière, où là on a un effet de géant groupé avec guérisseuse derrière, parce que du coup, même s'ils se prennent des dégâts de zone, la guérisseuse va les régénérer. Alors que quand on n'a pas de guérisseuse, si on se prend tous les géants qui se prennent de 2-3 dégâts de zone cumulés d'une TDS, et ben on peut perdre tous ces géants rapidement. Alors qu'en ligne, ben ça sera pas le cas. Et puis voilà, ça permet aussi une progression tout en longitude des archers derrière qui viennent protéger un petit peu en avançant, etc. On va déblayer comme ça du terrain en fait de gauche à droite ou de bas en haut avec cette compo. Faut faire un peu mieux que moi parfois, c'est les clean, voilà, vous voyez des archers qui partent un peu sur les côtés parce que le clean n'a pas été fait avant. Alors bien sûr, envoyez pas tout d'un coup les archers en groupe, et en fait en gros les gobelins ils s'envoient vraiment à la fin. Donc là on voit les gobelins qui ont plusieurs vagues, ça dépend. Si vous avez déjà ouvert des compartiments avec quelques réserves, c'est bien d'envoyer une première lignée de gobelins qui va clean, comme je dis, rapidement les réserves. Sinon si c'est tout au centre par exemple, ça arrive de trouver des villages où il y a toutes les ressources au centre, là vraiment les gobelins vont être envoyés à la fin. Et s'il reste des archers qui prennent des coups et des géants qui prennent des coups ou peu de géants, là les gobelins eux vont vous envoyer la masse. Vous allez voir qu'une vingtaine de gobelins, 20-27 gobelins qui sont envoyés en masse comme ça au centre, ils vont vite avoir le temps de prendre toutes les ressources s'ils sont pas targetés. Donc ce qu'il faut, c'est qu'ils soient protect quoi. Il faut pas que vos gobelins soient targetés, sinon non, ils vont prendre cher ou ils vont prendre que très peu par rapport à tout ce qu'ils devaient prendre, parce qu'ils sont quand même très rapides. À partir de gobelin 5, c'est quand même déjà très intéressant. Gobelin 4, c'est que vous êtes déjà à un niveau de ville où vous allez pas attaquer des villages comme ceux que je vous montre maintenant. Bien sûr, on me dit souvent, mais pourquoi tu comptes pas sur des HDV7, des HDV8, machin. Sachez que ces compositions sont transposables, hein. C'est pas, c'est encore une fois, comme je disais, c'est pas comme du Go Wipe, comme du, du Go Rewipe ou du Set Golem ou des choses où, voilà, en rush où les compos à réadapter pour d'autres HDV sont un peu différents, choix différents. Là, on est vraiment dans un mode où c'est juste adapté en fait par rapport à ses capacités de camp. Si vous avez des petits héros, bah c'est pas grave, ou si vous attaquez pas avec des héros, c'est pas grave, ça change pas le principe. Ce qu'il faut, c'est identifier où sont les ressources et attaquer aussi des villages équivalents à votre niveau. Donc si vous êtes HDV8, HDV plutôt attaquer des HDV8 ou des HDV9 un peu préma. Si vous êtes HDV7, bah pareil, des bons HDV7 ou des HDV8 un petit peu préma, ou pas forcément d'ailleurs, parce que l'écart est un peu moins dur à taper qu'en HDV7 sur un HDV8, contrairement à l'HDV 9 et 10 qui deviennent un peu plus complexes avec l'apparition d'Arkix et de Tour de l'Enfer. Voilà, donc j'espère que c'est assez clair pour vous. Ligne de géants, sapeur derrière avec archer qui clean aussi bien les bâtiments, les premiers bâtiments par le point d'impact où vous allez commencer à cleaner tout le village. Ensuite, on remet des lignées d'archers, voilà, par plusieurs vagues, comme il y en a à peu près 90, 85, 95, je ne sais plus exactement, quelque chose comme ça dans cette composition. Vous faites plusieurs lignes pour pas que tout ça se prenne comme ça, ça progresse tout le long du truc, les héros toujours derrière, mais quand même avant les gobelins que vous gardez pour la fin ou pour le milieu début selon les ouvertures que vous avez fait vis-à-vis des réserves. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à tester une nouvelle compo de farm. Choisissez après celle qui vous convient le mieux parmi tout ce que je vous ai proposé. Ciao les amis, à très bientôt.